Et salut tout le monde, c'est GeekX48, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer ce qui va se passer sur ma chaîne prochainement. Donc comme vous l'aurez compris, je suis sur farming quoi en fait. Mais en fait, voilà, comme j'ai réussi à me procurer Farming Simulator 2015, je vais vous faire des carrières suivies même s'il est un peu vieux. Ici même il y en a beaucoup sur internet, mais je trouve que les carrières suivies, les gens qui en font, ils finissent pas, parce que pour moi une carrière suivie ça dure 80 voire 100 épisodes. Les gens en font 30 voire 40 épisodes, jamais vu plus. Donc voilà, et donc je vais vous faire ça. Je vais faire une petite carrière suivie assez spéciale parce qu'elle va se passer au carré des tracteurs comme cela. Donc voilà. Donc on va se démerder pour jouer à ces tracteurs. Si on n'y arrive pas, ben, on verra. Parce qu'il faut quand même des trucs que pour tirer. Genre là, pour ça il faut quand même 100 chevaux. Là il en faut 90. Bon après, il y a un bon tracteur là-dedans. Je vous montrerai. Attendez. Hop là, celui-là il en fait 150, donc c'est déjà énorme quoi, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà. Excusez-moi aussi. Donc aussi, je vais vous faire des vidéos sur un jeu qui n'est pas énormément connu. Parce qu'il s'agit de The Tycoon 2, pour ceux qui connaissent. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus. Wouah, c'est trop mal fait, ça marrant. Mais bref. Je ferai des vidéos là-dessus. Et donc voilà. Bon, par contre, je sais pas si la vidéo sera de bonne qualité, mais bon, pour vous dire, j'ai essayé de me procurer un plus gros PC que ça, parce que là j'ai un PC pas merdique, qui tourne pas mal, puisque j'arrive à faire tourner ce jeu déjà en médium, en height, ça commence à être un peu tendu, mais il nous fait tourner. Mais je reste en médium et puis les graphismes ne changent pas énormément par juste les rétro, mais bon, les rétro ils servent à rien sur ce jeu. Donc voilà, et pour vous dire aussi, je vous ferai des carrières, je suis sur FS17. Quoi ça, c'est FS15 et sur FS17 que j'ai essayé de me procurer. Parce que je n'ai pas réussi à le trouver aujourd'hui, donc voilà. Donc je le trouverai bien. Après le Minecraft, je pense que je vais arrêter la série parce que j'ai pas trouvé les modes en 1.10, donc ça commence à me gonfler un peu. Donc je vais continuer un petit peu à chercher. Si je ne la trouve pas, je vous dirai prochainement dans une vidéo si je continue pas. De toute façon, je sortirai une autre série s'il faut, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera seul parce que je n'ai plus de serveur pour dire. Donc voilà. Donc on va se démerder. Donc après, et c'est tout quoi, en fait c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire excusez moi c'est pour mon absence, mais bon, les cours et tout ça et trop tralala me permettent pas trop, puis j'avais plus trop le goût de jouer parce que bon, mes PC buggy et tout ça, et en fait j'ai trouvé plein de techniques pour les faire marcher. Oui, parce qu'en fait je vais vous expliquer sur mon PC que j'ai là, j'ai un processeur qui a un AMD Ryzen 1, sauf que il tournait pas à peine à une puissance. Bon, je n'ai pas overclocké le truc, mais en fait c'est que il y avait le deuxième cœur qui n'était pas activé, je ne savais pas pourquoi. Et beaucoup de gens disaient que le cœur ne pouvait pas être activé parce que ça venait des de l'usine qui avait désactivé le cœur, mais en fait si j'ai pu l'activer, donc je l'ai activé. Ça tourne un peu mieux, enfin depuis hier, parce que hier je jouais sur Farming. Et ça tournait pas très très enfin énormément à pleine puissance. Ouh, ça m'intéresse ces petits machins. Attendez. Combien de belles normales les machines? Putain, je ne sais même pas. Oh, c'est pas grave. Donc voilà.
après que je voulais vous dire. Oui, donc voilà, j'essaie de me procurer un bureau PC aussi, dans le cas. Puis aussi, je me rappelle, j'avais attaqué une série 5 minutes astuces, je crois, c'est comme ça. J'ai essayé de la reprendre avec des astuces sur PC, des trucs comme ça. Et donc voilà. Donc j'espère que ces informations vous auront plu, de savoir que je vais revenir avec du contenu. Donc pour la première vidéo là qui a suivi, je ne sais pas quand je vais la poster, mais sûrement pas peu longtemps après cette vidéo. Donc restez sur la chaîne, restez bien informés sur la culture. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.